Bonjour à tous, nous sommes devant le stade LCLM, le lieu qui doit accueillir le premier match des Lions de l'Atlas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le match sera demain à 16h30 face à la Namibie. Aujourd'hui, le sélectionneur national Hervé Renard s'est exprimé devant les représentants des médias en conférence de presse. Il a détaillé le programme des Lions de l'Atlas. Donc ce soir, ils visionneront des images de la Namibie, leur futur adversaire, et se concentreront notamment sur les coups de pied arrêtés, la force de la Namibie. Demain, le petit déjeuner est prévu entre 8h et 10h. Un peu avant 13h, donc avant le déjeuner, ils effectueront une balade. Ensuite, à 14h, il y aura la causerie. 14h30, direction le stade. Et le match est prévu pour 16h30. Voici des images du stade qui doit accueillir les Lions d'Atlas. Après avoir fait un tour au stade et découvert sa pelouse, les Lions ont retrouvé le terrain Haras al-Houdoud, à environ une demi-heure de route d'El Salem. Younes Belhenda, qui s'est tordu la cheville il y a deux jours, est annoncé forfait contre la Namibie. Mais Hervé Renard se laisse du temps, comme il l'a dit en conférence. Belhenda effectue toujours des entraînements seul, à vélo. Mis à part lui, tout le monde est prêt. Oui.